Allumons la télévision, divertissons-nous, qu'y a-t-il comme programme? Écoutez, ce soir, il y a Jean-Luc Delarue, Je discute, une émission qui dépasse la matière. Ah, non, moi, je préfère regarder la nouvelle comédie musicale qui va cartonner. Regardons plutôt l'émission des Européens, Union Impossible. Ça y est, j'ai trouvé Taxi 3, c'est plus que le in. Sinon, il y a... Enfin, ça se passe de commentaires. Oh, au théâtre ce soir, oh, on va rigoler. Non, regardons plutôt l'Europe, c'est bien l'Europe. Dans Union Impossible, l'émission où on parle de l'Europe et où, vous le savez, c'est vrai, on n'est pas les plus débiles. Hein. Alors, vous le savez, c'est une émission où on évite tous les clichés, ça c'est important. Et pour en parler, pour le prouver, je reçois tout de suite le roast beef. Le Vital. Bonsoir les filles, bonsoir les filles. Et puis alors, celle qui a toujours la frite, hein. Bonjour là, les hommes, sûr. Bonjour les garçons. Alors ce soir, le thème de notre émission, c'est la séduction. C'est hein, on est tous, vous êtes tous un peu des séducteurs, des séductrices. Alors pour nous, il est là ce soir, et ça, c'est génial, le célèbre chanteur d'amour. Voici pour vous, Michael D'Amour. Bonsoir, Michael. Bonsoir Christine. Salut les Européens. Alors Michael, ça va? Ouais. Il est pas là le grec? Pourquoi le grec? Non, parce que j'adore les sandwichs. Il est génial, on l'applaudit. Il est génial. Non, vraiment, vous êtes trop mignon, Michael. Vous êtes, je crois, le roi de la séduction. Alors, qui veut commencer? Oh, ben moi, je veux bien. Alors, vas-y, commence le rital. Non, Christine, nous, Michael, nous, en Italie, on a un truc pour séduire. Ouais. Que si tu l'as pas, t'es un ringard, t'es un has-been, t'es un Pinocchio, comme on dit. Pinocchio. Comme on dit. Si, je montrais ce que c'est cette petite chose-là, vous voyez? Non, mais arrêtez, écoutez, mais arrêtez. Mais c'est insupportable. Non, c'est bien. Non, ça c'est un portable magique. C'est-à-dire que je fais la démonstration. J'ai fait la démonstration. Bon, alors t'es là et tu vas appeler ta petite copine. Alors t'appelles et j'ai fait mise en scène. Alors Véronica, pronto? Si, j'en peux se voir ce soir. Si. Et là on dit des mots d'amour. Hein. Ouais, bella della notte. Lasciatemi cantare. Sara, perché ti amo? Et alors tu souffles de désir. Parce que quand tu souffles, en même temps. Tu gonfles le matelas, c'est ça. Mais t'as pas peur de gonfler la fille aussi? C'est génial, il est... Non mais vous êtes génial, vous êtes trop... Vous avez un humour, moi vraiment j'adore votre humour, je vous trouve vraiment génial. Alors, merci. Vous aussi, hein, ah, merci, vous êtes très très mimi, merci. Tout le monde craque. Ton pantalon aussi, il craque. C'est pas gentil, ça. Bon, alors, justement, la Belge, tu vas nous raconter, toi, comment ça se passe quand tu vas en boîte? Alors, en Belgique, pour séduire, la tenue vestimentaire est importante. Hein. Ah oui, c'est, ça se voit. Oui, je mets une jupe lambada twist. En fait, ma mère s'en servait pour le twist et moi, je m'en sers pour la lambada. Ouais. Et en France, vous appelez ça jogging. Jogging? Pour en venir au fait, après, hein, quand t'es dans la boîte, là, alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça, j'ai jamais su, on m'a jamais laissé rentrer. Ok, très bien, c'était nul. Alors, justement, Michael D'Amour, puisqu'on parlait à l'instant de la Belgique, qu'est-ce que vous avez, vous, à dire sur les Belges? Il n'est pas là, le grec. Non mais c'est horrible cette histoire de grec. Non mais vous me faites craquer, vous êtes génial. Ah je vous adore. Ouais. Non mais arrêtez un peu avec le grec parce que vraiment arrêtez, c'est arrêtez. Hein. Arrêtez. Bien, alors maintenant nous allons retrouver l'anglish. Ouais. Oh. C'est génial.
Alors, justement, comment ça se passe en Angleterre quand on veut séduire une fille en discothèque? En Angleterre, il y a une chose qui a été inventée pour les gens qui sont timides, qui n'osent pas danser. C'est le capteur électromagnétique qui te permet de bien danser. Ah. C'est un peu comme une antenne chez vous. L'antenne comme ça. Et alors, avec ça, vous faites quoi? Vous allez nous le montrer d'ailleurs ce que vous allez. Vous allez nous faire une démonstration? Non. Allez-y. Alors, tout d'abord, il faut que. On pourrait m'envoyer une musique psychédélique? Une musique? Allez, go! Allez. Alors, on se laisse imprégner du rythme. Et quand la musique est en nous, on se lâche. Allez, justement, je vous propose de retourner. On démarre le parti. Eh bien, c'était l'émission Union Impossible qui se termine. En tout cas, on vous a prouvé que nous, les Européens, malgré nos différences, eh bien, on s'adore. Voilà, c'est génial. Merci à tous. Bonsoir. Ouais, et qu'est-ce que je veux dire, t'as pas parlé de musique comme... C'est pas toi le grec. Ah, écoutez, c'était fort sympathique. Oh, c'est surprenant l'Europe. Bien, mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de plus... De plus hot? Oui, de plus... Les enfants sont pas levés? Non, non, non. Écoutez, discrètement, je zappe sur la chaîne sulfureuse. Bonjour à tous et à toutes. Il est 6h du matin, bienvenue sur Télématin XXXXXL. Vous allez retrouver vos rubriques à 7h du matin, votre premier film de cul. Ouf, c'est chaud. Et tout de suite, on retrouve Ursula pour la météo. Oh, vous étiez là, Marc? Avec aucune, dis-nous, il fera chaud. Ursula. Ouais. Pour la météo du jour. Ouais. En montagne, de la neige. De la neige en haut du mont. Blanc. En revanche, plus bas, dans le Bas-Rhin, la chaleur monte. Puis, dans le bassin méditerranéen, zone chaude et moite, accumulation de cumulus. Yeah, ouais, c'est bien, ça. Ah, les cumulus. Ah, les cumulus. Merci, 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 Ursula. C'était Ursula pour la météo. Ted, viens, viens au théâtre ce soir avec Mandy. C'est la pièce qu'on a vue quand on s'est rencontrés. On peut bien rigoler. Personne ne répondra donc à ce petit téléphone. Ah ! Vous allez voir, cette maison, c'est un vrai moulin. Et pourtant, il n'y a pas de commissaire. Commissaire Moulin, j'ai une gnaque, moi, ce soir. Bien. Ah, en plus, mon frère jumeau arrive aujourd'hui. Il a passé 20 ans en Grèce. 20 ans en Grèce. Il a dû changer. Ah ! Ce téléphone qui sonne! Qui sonne! Tiens, le téléphone sonne. Décrochons. Allô? Ah, Marie-Louise, ma chérie! Ah oui! Oh, oh, oh! Oh, écoute, tais-toi, moi c'est pareil. Écoute, j'ai craqué, j'ai pris un amant. Oh! Je suis avec Brutus, le masseur. Il est viril. Oh, comme Bourville. Moi, je te laisse, il arrive dans 2 minutes, je vais aller m'épiler les ongles. Oh! C'est une maison de fou ici, hein? Ouh! C'est une maison de folle ici, hein? J'arrive de Grèce. Je suis comme une crevette, je suis épuisette. Ah, monsieur Martineau. Ah oui, d'accord, d'accord. En fait, je suis monsieur Martineau, mais en même temps, je ne suis pas monsieur Martineau. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve la salle de bain, s'il vous plaît?
Mais oui. La salle de bain, oui. Qui n'est pas la salle de bain, elle est au fond du couloir, qui n'est pas le couloir. En haut des escaliers, où il n'y a pas d'escalier. Augustin, qu'est-ce que vous faites dans le salon avec ce râteau? Avec ce râteau, je ramasse les feuilles. Mais mon pauvre ami, dans le salon, il n'y a pas de feuilles. Mais c'est normal. Je les ai ramassées. Qu'il est belle, qu'il est belle, qu'il est belle, qu'il est belle. Tout le monde a Marie-Louise. Marie-Louise. Ma promise. Brutus, mon falchet. Marie-Louise, préparez votre Venise, je vous emmène à valise. Mais allons plutôt dans le Larzac, je n'ai qu'un gros sac. En tout cas, votre mari arrive, je vais tout lui dire, je vais lui parler d'un homme. Oh, il m'a pété l'omoplate, la patate. Qu'il est costaud, un vrai commandant, le commandant costaud. Festival. Écoutez, écoutez, j'aime Marie-Louise, je pars avec elle dans l'Arzac à Venise. Mais comme tu veux, mon lapin, félicitations. Attends, tu te fous de moi, là? Alors, vous lui avez parlé? Mieux que ça, je l'ai cogné, il ne reviendra plus. On flirte. Ça t'a pas suffi tout à l'heure? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites pas où? Écoutez, j'ai jamais fait où? Attends, si. Quand on se prend un coup de genou, on fait où? Ah bon? Ah oui, effectivement, on fait où? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Martineau! Qu'est-ce qu'il y a, mon bon? Vous êtes dans le jardin! Je marche pas sur les fleurs, au moins! Non, vous faites... Ouh. Ah, écoutez, ça m'étonnerait, parce que la dernière fois que j'ai fait ouh, c'était au concert de Patrick Fiori. Oh, écoutez, moi, je n'y comprends plus rien. Avec tous ces ouh, j'ai l'impression d'aller avec des hiboux, j'ai mal. Écoutez, c'est normal, Marie-Louise, j'ai un frère jumeau qui fait ouh. Tu m'as jamais dit que t'étais son frère jumeau? Mais c'est normal, Marie-Louise, mon frère, c'est une tante. Une tante? Mais pourtant, il n'a jamais eu de neveu. Eh oh, 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 le fou rire, il est dans le texte, là. Faut le jouer, là. Hein. Allez. Oh, j'en pleure. Oh, merde, c'est bon, là. Oui, c'est bon. Bon, Marie-Louise, je t'explique. Mon frère n'est pas ma sœur. J'ai un frère jumeau qui fait où? Que ton amant, qui fait où aussi entre parenthèses, oui, a confondu avec ton mari, qui est moi. Bon, ce qui complique tout, c'est que ton amant, le masseur, et mon frère jumeau font tous les deux où? Tandis que moi, je fais ah. Ah, mais toi, tu es mon mari. Mais assurément. Mais pourquoi t'es plus petit que moi? Parce que je ne te l'ai jamais dit, Marie-Louise. Je suis un nain. La pièce que nous avons eu l'honneur d'interpréter devant vous ce soir s'intitulait « Mon frère n'est pas ma sœur ». Avec Jean Guibet, Michel Tornade. Et dans le rôle de ma femme, Ophélie Winter. Marc Villa-Pacôme. Et à la prochaine.
jouer. Comme disait Guitry, quand on aime, on en demande, revoici XXL. C'était Guy Beck. Oh, autant pour moi, autant pour moi. Autant pour vous. Tout de suite, c'est l'heure des nafos. Ah, vous étiez la marque. Bonsoir, ici Jean-Michel Penny, il est 7h Brakmar pour les nymphos. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, les titres. Un gros bouchon. Un gros bouchon. Un gros bouchon. Ouais. Sur la A6. A6. Oui, c'est bien A6. C'est bon A6. En effet, à cause d'un petit accident, les voitures se sont encastrées. Encastrées. Oui, c'est bien A6. Oui. Bison futé, il est futé le gros bison, conseille de prendre l'itinéraire bis. Bis. Ah, bis. Ah, c'est bon quand c'est bis aussi. Et tout de suite, la bourse. Le CAC 40 rentre. Bonsoir, ce soir le thème de l'émission les fans, ou plutôt la relation entre les fans et les stars, avantages, inconvénients, pour, contre, d'accord, pas d'accord, je t'écoute, ferme ta gueule. Bien, pour en débattre ce soir, je reçois le comédien, producteur, animateur Gérard Klein. Gérard, bonsoir, ça va ? Ça va, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Ça va ? Très bien, merci. Salut, c'est Klein. Alors, Gérard, vous animez une émission sur la 5e, ça s'appelle Va t'asseoir. C'est avec des enfants, c'est-à-dire vous leur montrez des artisans, des métiers oubliés, des musées, enfin bref, tout ce qui les intéresse pas, quoi. Mais c'est pédagogique. Oui, c'est ce que je dis, c'est chiant. Alors, lors d'un tournage de Va t'asseoir, il s'est produit un impondérable avec un de vos fans. Plutôt, oui. Écoutez, je propose qu'on regarde le sujet et on en parle juste après. D'accord. D'accord. Allez, tout de suite, un reportage de Simone Voici et Jean-Claude Paparazzi. C'est parti. Bonjour les enfants. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui nous partons à la découverte du Mont Joli, où nous verrons des épicéas. C'est des spécimens de grands sapins comme ça, qui poussent dans les massifs alpins. Et peut-être aurons-nous la chance d'apercevoir un écureuil. Mais si, c'est bien un écureuil. Ça ressemble à des Pokémon. Je les adore. 8h15, c'est parti. Gérard Klein emmène nos petits chérubins sur les routes du savoir. L'ambiance est bon enfant. Il est 10h15, c'est le drame, oui, la panne. Vous n'éloignez pas, hein. Oui, la dépanne nous arrive dans 5 minutes, alors vous allez faire pipi et vous revenez, hein. Bon, Jérémy, chef de classe, d'accord ? Allez ! Il est 14h50, la dépanneuse arrive enfin. Merci, hein. Merci, ouais. Ça fait 4 heures que je vous ai appelé. Ouais, hein. Moi j'ai l'émission à terminer, j'ai 10 membres dans la nature. Là. Ouais, ça va, moi je me suis levé à 5h du matin, j'en ai pas fait un fromage. Oui, bah, c'est votre boulot, hein. Oh nom de Dieu. Quoi ? Oh nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh nom de Dieu ! Oh, vous êtes... Oui, énervé. Non, vous êtes Klein, là. Ah, oui. J'adore ce que vous faites. Oui. J'adore dans ce que vous faites dans le... Merde, dans le... Dans la site. Non, je trouve plus les mots, je suis... Dans Va t'asseoir. Non, dans la radio, là. Les mousquetaires, là, le supermarché, là. Ah, refaites-le-moi, refaites-le-moi, s'il vous plaît, pour moi. D'accord. Salut, c'est Klein. La côte de veau à 19,90 €. Ça, c'est de la qualité. Allez, on s'y met. Allez, d'accord. Allez. Allô, Simone, devine avec qui je suis. Mais si, c'est celui que t'aimes bien, là. Non, pas Isolie. Oui, Klein, oui, bah, il est là, bah, je le touche. Bah, dites-lui, il me prend pas, là. Dites-lui, oui, il me touche. Prends-le. Dites-lui. Allô, bonjour, madame. Oui. Non, c'est pas Isolie. Oui. D'accord. Salut, c'est Klein. La côte de veau à 19,90 €. Ça, c'est de la qualité. Merci. On s'y met. D'accord. Allez. Ah, mais je peux pas, regardez. Rien que de vous voir, regardez mes mains, regardez. Écoutez, je suis comme ça. Écoutez, j'ai des putains de gamins. Je les adore. Hein ? Il faut absolument que je les ramène à Paris. D'accord ? Alors on s'y met. Ah mais je peux pas, regardez mes mains, je suis comme ça moi. Mais c'est juste une durite qui a pété là. Oh là là non ! Hein ? Oh là là non ! Beaucoup plus petit qu'à la radio. Je suis sûr que vous êtes un excellent garagiste. Hein ? Ah oh, merci. Excusez-moi, j'ai horreur qu'on me touche. Hein ? Hop. D'accord. Tiens, donne-moi un... Mais non, on met ta pointe tête 25 dans ta dépanneuse là.
Elle est où la dépanneuse? C'est les gamins, ils sont partis avec. Quoi? T'as laissé partir les gamins de 12 ans avec ta dépanneuse? Mais t'es complètement barjou. Mais appelle les flics! D'accord. Oh, c'est pas vrai. Tiens. Comment ça marche? Allô, police? Hein? Mais c'est pas la police. Non, c'est Madame Clicquot, elle a fait 12 km pour venir. Faites-lui. Madame Clicquot. Allez, viens, faites-lui. Hein? Oui, madame. Oui. Salut, c'est Clin. La côte de veau à 19,90 €. Mais ce prix-là, elle est pourrie. Hein? Mais toi, tu me prends encore une fois dans tes bras, je t'éclate ta gueule. La scène de l'énervement, vous l'avez bien joué, regardez. Quoi? Regardez, c'est moi qui invente. Regardez, je suis comme ça. Hein? Demande-moi tout ce que tu veux, non, toi, tu veux. Mais tu le sais que je suis ta chose, non, toi, tu le sais que je suis ta chose, non, toi, tu veux. Arrête, toi, tu te jamais. Arrête. Jamais. Merci. C'est gentil. Alors, Gérard, on n'a pas tout montré la suite de cette histoire, mais comment ça s'est terminé? Vous avez eu des séquelles? Comment ça s'est passé? Salut, c'est Clin. D'accord. Mais depuis, je suis devenu un petit peu parano. Bien sûr. Dès que je passe devant un garage, j'ai peur de caler, je tremble, j'ai l'impression de voir cet homme partout où je vais. Regardez, rien. Regardez, parlez, je suis comme ça. Je suis ta chose, je sais que je suis ta chose, dans ta gueule. Bon, on vous laisse vous reposer, on se maintenant le deuxième invité, Michael Demouron, pour l'applaudir. Vous appelez Michael Damour, vous avez 30 ans, vous êtes chanteur-compositeur. Tout à fait. Non, en fait, moi je chante et je compose, hein, c'est tout. D'accord. Je vous ai vu trépigner un petit peu quand on a montré le sujet de Gérard, vous voulez peut-être agir. Ouais, parce que justement, moi je considère qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça avec les gens qui vous aiment. Alors, ouh, c'est nul. C'est son avis. Merci. Alors, vous, Michael Damour, à l'inverse de Gérard. Salut, c'est Clin. Vous recherchez le contact avec vos fans, c'est pour ça que vous avez sorti une cassette vidéo qui s'appelle 365 jours avec Michael Damour. Affirmatique. Oui, dans laquelle chaque jour vous livrez une facette de votre personnalité à vos fans. Alors, je propose tout de suite un exemple avec votre rapport à la spiritualité. C'est filmé chez vous et en toute intimité. Tout à fait. D'accord. Allez, tout de suite, le magnéto, Michael Damour. 365 jours avec Michael Damour. M-O-A-M-O-A. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer façon Michael Damour comment passer une journée saine et zen. Alors ça, c'est un petit exercice que vous pourrez faire chez vous. Ça s'appelle les forces telluriques. Créer contact avec la Terre. Enfin, tu sais que les chakras, au début, moi, je croyais que c'était une spécialité antillaise. Ah, bah, vous êtes là? Pour moi, le bouddhisme, c'est pas une religion, hein. C'est une philatélie. C'est un film, ça. Ça, c'est un truc que j'ai acheté au Tibet, en Inde. Ça, c'est la spiritualité. Et ça, c'est la tentation. C'est ce qu'on appelle en tantrisme le couple. Le Bouddha homme. Et le Bouddha Nana. Unimanaya Sanagifa. Tu crois, toi, à la réincarnation? Hein? Moi aussi, j'y crois. Souvent, ça m'arrive, je sais pas, ça te le fait. Je vais dans un endroit, je me dis, j'ai déjà été là. Ça me le fait souvent en toilette. Salut les lombriques. En tout cas, si vous écoutez bien tout ce que je vous ai dit et que vous appliquez tout à la lettre, eh ben peut-être que vous aurez plus d'angoisse, hein, que vous vous sentirez mieux, et que du coup vous donnerez de l'amour aux gens, qu'il y aura peut-être plus de guerre, hein. Du coup il y aura plus de violence, il y aura plus de chiens qui vous mordent, il y aura plus d'abeilles qui vous piquent, hein. Même les crocodiles aussi. Non, en Floride il y a des crocodiles, hein, ils mordent les gens. Ah, une taupe. Hein. Tu pourras tout couper là. Merci à tous. Alors, Michael, je crois que malheureusement la cassette marche pas trop, elle se vend pas, je crois. Ouais, c'est parce que j'ai oublié un petit détail commercial, hein, mm-hmm. Tout bête. Hein. Mm-hmm. C'est que j'ai pas de fans. Hein.
Mais effectivement. Pas encore. Pourquoi? D'accord, c'est bien ce que j'ai compris. Ça va? Ça va? Vous êtes bien? Je vous sens un peu tendu. Vous voulez un petit verre d'eau? Non, une grenadine. D'accord, on verra ce qu'on peut faire. Bien, maintenant nous allons débattre. Gérard et vous, Michael, est-ce que pour vous, un fan, dans sa relation avec l'artiste, a droit à tous les débordements, Michael? Ben, moi j'estime. Oui. En fait, oui, vous pensez qu'un fan a tous les droits et qu'un artiste ne peut pas refuser l'amour d'un fan. Gérard, c'est votre opinion? Oui, c'est vrai que je pense qu'en effet, il y a... Oui, en fait, vous pensez qu'un fan ne doit avoir aucune relation avec l'artiste. Mais bon, au moins, vous avez l'honnêteté de penser que comme vous avez vécu une expérience traumatisante, vous n'êtes pas objectif. J'ai pensé tout ça, moi? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, merci à tous les deux d'avoir débattu. Merci, c'était très gentil. Merci. Merci. Très bien. Merci. Et tout de suite, j'appelle monsieur Alain Delon pour la conclusion de l'émission. Alain Delon. Bonsoir, Jean-Luc. D'accord. Merci, bonjour, oui. Alors, Alain Delon, bonsoir. D'accord. Alors, Alain Delon, vous avez vu toute l'émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? D'accord. En fait, vous pensez qu'un fan, c'est bien dans une certaine mesure. Et vous pensez aussi, qu'est-ce que je suis venu me faire chier dans cette émission? Mais ça, vous le dites pas parce que vous êtes poli. Alain Delon, merci. C'est la fin. Retrouvez-moi la semaine prochaine dans un nouveau Je Discute où vous apprendrez ce que je pense des travestis machos qui vivent dans les familles monoparentales. Je me salue. Merci. Ça vient. Doucement. Voilà. D'accord. Avec douceur, la binette. Ah, d'accord. Avec douceur. D'accord. T'as mis ta petite graine au fond. Ouais. Voilà. Tu veux essayer des accessoires? D'accord, Nicolas. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Une griffe. Vas-y. Une griffe. Griffe là. Bien. Ouais. Un arrosoir. Ouf. Un arrosoir. Arrose là. Vas-y. Ouf. Voilà. Ouf. Oh. Ouf. Oh, ça suffit. Bien. Et ensuite, Nicolas? Une pelle, mais pas de râteau. Nicolas. Et ça, Nicolas, qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Et alors? Ensuite, tu mets un film plastique pour la protection. Ah, je connais, il y en a à la fraise. Tu es connaisseur. Et tu obtiens un erectus cucurbitacé. Bien, merci Nicolas. À demain. Xavier Simon! Oui, Jean-Hugues! Oh, figurez-vous que je suis peiné, je viens de louper le journal télévisé! Oh, ben que nenni! J'en connais un fameux qui passe sur la chaîne satellite! Oh! Saturne! LCI, information! Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit! Tout de suite, le sport! Il y a du dopage dans le vélo, mais il y en a aussi dans le cycliste! Pollution, il y a trop de CO2. Complément d'objet direct. Alors faut arrêter de parler maintenant, hein? Ouais. Archéologie, on a trouvé un vieux tag datant de l'ère primaire de l'âge des banlieues de 1968 avec l'inscription mort aux vaches. Comme quoi, la vache folle, ça fait longtemps que ça dure, hein? Et tout de suite, enchaînement avec Nadia, là. Nadia, notre envoyée spéciale dédicace, qui est partie aller voir je sais pas qui à je sais pas où. Ouais. Voilà, Saturna, là, je suis dans la salle d'entraînement de David Douillet, là. Et là, il est sous la douche, là, je vais aller l'interviewer, mais scredit. Vas-y, suis-moi. Suis-moi, qu'est-ce qu'ils font, au fond? Hé, David! Oui. C'est LCI, Nadia Portage. Oui, écoute, après pour l'interview, là, s'il te plaît. C'est ça, man, je finis. Finis la douche. Et David, je peux savoir, tu douches avec ta médaille? Non, avec du shampoing. Attends, t'es gentil, s'il te plaît. Tu veux pas passer après la douche, là? J'ai du savon plein les yeux. Ouais, d'accord, juste pour savoir, on peut voir les mousses de tes fesses? Non, t'es maté, là. David, je peux voir si tout est catégorie poids lourd? Ouais, non, attends, je suis sous ma douche, là, je finis l'entraînement. Toi, catégorie je gonfle, t'es médaille d'or, toi. Tu repasses après, d'accord, hein? David, juste pour savoir, tu t'es déjà battu avec une meuf? Non, ça, je ferai pas, ça. Pff, il est lourd, hein. C'est vrai? Oui. Vas-y, tiens-moi le micro, je me jette à l'eau. Banzai! Vas-y, David! Merci Nadia, et tout de suite enchaînement in vitro avec Soul Sam pour la météo. Demain il fera chaud, trop chaud, je te jure.
Mais pas ici, en Guadeloupe. Underground. Sérieux, il fout rien là, celui-là. Il a trop l'humiliation sur son âme, sérieux. Et tout de suite, enchaînement, avec une petite interview, je reçois Arlette Laguiller. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, bonsoir à Arlette Laguiller. Bonsoir. Ou devrais-je plutôt dire Arlette Laguiller, car vous êtes fort sympathique. Merci, c'est gentil. Ouais. Alors, Arlette, qu'est-ce que ça fait, Arlette? Vas-y, approche-toi, Arlette. N'aie pas peur, là, tu sais, la caméra parler et tout. Et... Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme politique quand on est une femme, Arlette? C'est difficile. Il faut sans cesse asseoir ses opinions face à l'adversité machiste. C'est un combat quotidien, à côté des travailleurs et des travailleuses. Ouais. Et sinon, t'as déjà mis des cuissardes? Sérieux, t'es de la balle quand même, Arlette. Hein. Merci. Je te promets, sérieux, si tu t'habillais un peu plus sexy, sérieux, tu serais pareil. C'est de la balle. Mais je voudrais vous faire une remarque au sujet de la petite Nadia qu'on vient de voir dans le reportage. C'est une bonne travailleuse. Elle est sur le terrain. Et elle m'a dit qu'on lui remboursait même pas ses tickets de métro. Bah ouais. Bah, truande dans le métro, elle. Mais c'est de l'exploitation. Vous êtes un capitaliste. Je suis pas capitaliste, madame. Je suis banlieusiste. Ouais. Et sous le SAM, celui qui fait la météo, c'est pareil, il s'est plaint de ses conditions de travail. Oh, le barbeau, là, celui-là, mais c'est quoi ce délire, là? Et les techniciens aussi, tout le monde est avec moi. On va marcher dans la rue. Ouais. On sera tous aux côtés des travailleurs et des travailleuses. Ils font, vous savez, dis donc, vous savez, les techniciens, ils font des heures supplémentaires bénévolement. Alors, à mon signal, ils vont faire la grève, vous allez voir. Mais attends, tu délires, sérieux, Arlette. On peut pas faire grève ici. Je sais pas, ici, il y a trop de frères. On bosse dans la fraternité de la compassion, sérieux. Eh bien, vous allez voir. Hein? Camarades, c'est la grève. Alors? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette conspiration-là? C'est quoi ce délire? Oh, oh, oh! Eh, les gars, celui qui rallume, là, même s'il a pas de cheveux, je lui offre une barrette gratuite. Oh. Voilà, oh, merci. Non. Voilà. Voilà, c'était LCI avec Arlette. Très, 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 très sympa, Arlette. Top délire. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et gros bisous. C'est de la corruption. Allez, on regarde la spéciale Gainsbourg. Oh non, papa. J'ai envie de voir des vrais provocateurs de maintenant. Avec des mots de maintenant. Qui dénoncent de maintenant. Ben là, ça fait très, très, très longtemps qu'on travaille sur cette comédie musicale. Ça fait à peu près... Ouh la tabernacle, c'est à peu près 10 ans. Ouais, et pourquoi vous l'avez pas sorti plus tôt? Les gens étaient pas prêts Non, c'est nous qu'on était pas prêts. Oui, puis on se connaissait pas encore. Aimer, c'est tellement bien. Aimer l'amour en aimant. Aimer, tu sais, c'est bien. Alors pourquoi est-ce que vous parlez énormément d'amour sur vos chansons? Parce que aimer c'est tellement bien. Et aimer l'amour en aimant. Enfin, aimer c'est bien. Car aimer, c'est vraiment pas rien. Aimer amoureusement, c'est mieux qu'aimer sans aimer. Ne pas aimer, c'est pas vraiment l'amour. Alors vous deux, dans la comédie musicale, vous jouez quel rôle? Bah nous, on joue un petit peu les... comment ça s'appelle les... Ouais... Un peu comme comme Gargamel. Ouais, comme Fantomas, Casimir. Non, Casimir, c'est pas un méchant. Méchant, mais ça c'est les méchants. Nous et ben, on ne vous aime pas. Mais alors pas du tout. Parce que nous on est les méchants. Oh là là, c'est la honte sur vous. Quand vous faites le gna gna gna, tout ce qu'on aimerait c'est vous faire ça.
au début, on s'est dit, c'est quand même vachement probable. C'est hard. Ouais, c'est vachement hard. Puis après, on s'est dit, mince, quoi. Je veux dire, on a quand même des vindications, quoi. Revendications. On est vraiment bête de se disputer parce qu'on s'aime. Même si on n'a rien à dire, ça marchera quand même. Je veux dire, on n'est pas des chanteurs d'amour, quoi. Si. On a des beaux costumes de scène parce qu'on s'aime. Maintenant, les gentils, les méchants sont les mêmes. C'était le succès commercial de l'hiver, les 4 Roméo Baba de Paris, une comédie musicale qui n'aurait pas pu exister sans leur moteur, l'amitié. D'ailleurs, on peut retrouver prochainement ces 4 copains dans leur nouvel album solo, en vente dans tous les bons supermarchés. Allez, ciao les gars, et bonne route. Oh, Parisien, regarde, il y a taxi là, ils ont une tournée à Marseille. Je crois pas que ce soit le taxi produit par Besson. NCR Entertainment presents. Après, taxi 1. Taxi 2. MGM Studio présente. Taxi 3. MJC de Montreux présente. Pousse-pousse sur le dos. Avec des voitures du futur qui parlent. S'il vous plaît, là, on fume pas dans le taxi. Vous êtes fait comme des rabots de mou. Une production américaine avec un budget polonais. Des problèmes de son dans des scènes d'amitié. Pour moi, t'es plus qu'un frère. T'es un copain. Ouais. Faut que je te dise un truc. Ouais, moi je t'écoute. T'es plus qu'un frère. Avec des comédiens qui regardent la caméra. T'es un copain. De la violence. Comme vous n'en avez jamais vu. Celle-là, je l'ai pas vue. Hein. Filmé en cinémascope. Non, en Super 8. Non, en Polaroid. Bouge pas! Bouge pas! Du moins, t'as mis la cam! Tu comptes la cam. Alors, putain, je touche pas à ça, les mecs. Non, mais la caméra, du blanc, on l'a paumée, on sait plus où elle est. Un film où les techniciens, c'est les comédiens. Pierre. Elle est où, là ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Ça va ? Un film ça va, où ça va. Ils descendent des escaliers en voiture sur les épaules. Et une voix off qui dit tout ce qu'on fait, hein. Mais si, je te dis ça bat. Des cascades. Des arcades. Un film où même le gars qui fait la voix off, il sera pas payé. D'ailleurs, je me casse. Attendez, s'il faut, je peux la faire, la voix off, moi. Ouais, c'est sympa, mais y a plus de pellicule. Avec. Bah quoi, on fait la vidange, quoi. Le making of de merde. Bienvenue à Qui veut gagner, Doc. Tout de suite, notre premier candidat, Marc-Antoine. Bonsoir, Jean-Pierre. Alors, Marc-Antoine, vous avez une particularité, vous avez un frère jumeau. Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'il vous ressemble pas du tout. C'est... Ah non, mais là, c'est mon frère, c'est à moi, là. C'est... Alors, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous feriez avec 3 millions ? Ah bah écoutez, sans hésiter, j'achète un grand lit. Parce que là, avec mon frère, on dort dans des lits superposés et... C'est la galère. Bien. Voici tout de suite la première question. D'accord. La question de Jean-Pierre est, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend ça ? Aïe ! Voici les propositions. Aïe. Ouïouïouï. Même pas mal. Ou
j'en prendrais bien une petite. Je peux utiliser le joker téléphonique? Bien sûr. J'ai un doute. Je vous ai fait mal au moins? Bien sûr. D'accord. Ah, pardon. Allô? Allô, bonsoir, ici Jean-Pierre Animateur. Je suis avec Marc-Antoine. Oui. Hein? Antoine, c'est Marc. Ah, salut Marc! Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une baffe? Aïe? Ou youyouy? Ou j'en prendrais bien une petite? Je sais pas du tout. Attends, je vais demander au frangin. D'accord. Jean-Pierre Animateur, parce que Foucault, je sais pas l'imiter, en fait. D'accord, pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand on se prend le baf? Bah t'es con, aïe! Ah, merci. Bah t'es con, aïe! Ah bah ouais, bah je suis con, aïe. C'est votre dernier mot, Momo. Oui. Vous avez gagné 10 000 francs. Voici la deuxième question. Combien y a-t-il de fourmis au Danemark? Une fourmi? 50 milliards de fourmis? 8 centimes? Ou c'est pas des fourmis, c'est des lapins? 50 milliards. Tic et tac, concentrez-vous. D'accord. Alors, une seule réponse à la fois, s'il vous plaît. D'accord. Non, parce que là, je comprends plus qui c'est qui. Hein, d'accord, pas de problème. On a l'habitude, pas de problème. Alors, votre réponse? 50 milliards. Concentrez-vous. D'accord. Oui, d'accord. Soyez un tous les deux. Ok, d'accord. Un tous les deux. Votre réponse? 50 milliards. Bon, je vais vous donner un petit indice. Il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse. Ah. Oh là, c'est moi qui regarde. Non, il a changé. Non, là, non. Vous regardez qui, là? Attendez. C'est... Non, parce que j'ai un ticket. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, ok. Bon, on va dire moi. On va dire ça, hein, c'est moi. D'accord, c'est moi. Alors, une. Une. Vous avez perdu. Jamais, Jean-Pierre. Tu as signé un pacte avec moi. Comment croyais-tu obtenir 64% de part de marché? Ton âme, Jean-Pierre. Même pas peur. Mais quand même un petit peu, hein. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Esten ! Oui, mon ben. Ah, j'ai découvert sur le satellite une petite chaîne locale, ça vient directement des Pyrénées, c'est trash. Oh, Kiffman ! La groove ! Et bonjour, bienvenue à la télévision locale et associative de Saint-Herzier de Blancard. Télé Saint-Herzier, la télé qu'il faut regarder. Et bonjour André. Bonjour René, tout de suite les titres du jour. Allez. Le maire, le rugby, le maire, les inondations, le prix du cochon, notre invité, le fumier. Un parisien. En vacances dans la région. Alors, premier titre, le maire, arpaillage. Olé! Figure-toi que le gosse, il m'a vendu un cochon 10 000 francs. 10 000 francs et il se gratte pas le cul. Je peux te dire, 10 000 bols le cochon, ça me reste un peu là. Il est 3 heures. Régional. Bonjour. Et dis-moi, il y a un gonze qui a garé sa voiture immatriculée 92 devant mon garage. Oh, c'est la mienne. Eh ben, tu vas me faire le plaisir. Laisse-le, le pauvre, tu vois pas qu'on fait de la télévision, là. Ta télé, il y en a que deux qui la regardent. La mère Blancard qui a moitié fada et puis Arpaillange.
Arpaillage. Si vous voulez, je peux déplacer mon véhicule. Non, reste là pour ton émission, tu vois. Je vais voir. Excusez-moi, cher téléspectateur, il est un peu amateur. Bien. Rugby. Alors, le rugby. Eh bien, bonne nouvelle, André. Eh oui. Bonne nouvelle, le 13 de Saint-Herzier a encore mis une branlée au 15 de Saint-Mécène. Et encore, on était de moins. Et alors? Et à Paris, le Stade français a battu Toulouse. International. Andordogne. Après inondation, on replante les noyers. C'est un peu abusé parce que les sinistrés des intempéries n'ont toujours pas été indemnisés. Non, quelque sorte dans la région, après tempête, taïchi. Nous, c'est pareil, dans le 92, le bois de Boulogne a été complètement ravagé. Ceci dit chez nous, quand il y a eu les inondations, et ben pour avoir des sous, le père Arpaillage, on attend encore. Arpaillage. Olé. Économie. Il faut en faire. Bourse. Celle de droit de me gratte. Agriculture. Alors, cette année, le fumier. Arpaillage. Alors, celui qui sent bon. Et les amis, Arpaillange. Oh, t'es à la télévision, là, hein. Il s'agit pas de faire le vulgaire. Ah, d'accord. Bon. T'as compris le pilier du Stade français. André, vas-y. Alors, le fumier, il risque de nous manquer cette année, René. Ah, et en revanche, j'en connais un qui risque pas de nous manquer. Olé! Interview. Alors, nous recevons ce soir, comment il s'appelle ce con? Yves-Marie de Châtenay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Paris? Ah, non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, laisse. C'est la situation. C'est sûr? Oui, non, je ne suis pas encore le maire de Paris. Pas encore. Je suis juste maire d'une petite commune dans le 92. Alors justement, vous qui venez de la capitale. Oui. Il y a une question qui nous intéresse tous ici. Je vous écoute. Et à combien il est le prix du cochon à Paris? C'est un petit peu... Non, parce que je vous prends un témoin. Arpaillage, 10 000 balles le cochon, je peux te dire, René, que ça valait un peu là. En tout cas, il y en a qui n'ont pas touché les intempéries sur les inondations, il y a la carotte de ville qui se sont mis pris les poches parce que c'est pas le qui se faisait venir. Pardon? Explique-y. Non, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il y a aussi que c'est dans le chemin. Non, mais je vais te dire, moi je vais la frotter dedans, c'est dans le courrier, il faut pas le faire. Et encore, il te dit pas tout. Et alors? Excusez-moi, je crois que je n'ai rien à faire sur ce plateau. D'accord. Moi je m'excuse de dire. C'est le père de Paillard. Moi je continue, parce qu'il faut aller le voir sur la télé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je m'en vais, vous ne me retenez pas. Bonne route. Je m'en vais. Allez. Je te dis qu'il faisait mal le fier. Quand il commence à le faire courir, il a porté l'enveloppe. C'est vos gens qui se sont pris à ma voiture. Vos gens, c'est plus qu'un amas de ferraille. Ah, c'est un carré. En plus, ma femme est encore dedans. T'es bouseux. Bouseux. C'est mon frère que tu viens de traiter de bouseux, là. Non. Oh, j'ai dit beaux yeux, j'ai dit... J'ai de beaux yeux, moi. T'as de beaux yeux, le monsieur. Mais viens avec moi, là, on va s'expliquer dehors. Ah d'accord, pas de problème, j'arrive. C'est par ici la sortie, hein. Quand Wayne Josh de là où je dis, dépêche de dernière minute. Patelin de Harry. Dépêche de dernière minute. Disparition mystérieuse du maire de Paris. Voilà, c'était Télépidélé. La télé où on se laisse pas emmerder. Générique. La mère a donné la permission de vie pour aller me fourrer la gueule à la pinchouli. Alors. Papa, c'est quoi un débat? Un débat, c'est deux personnes qui discutent ensemble d'un même thème, comme ce soir le PAX. Ah, c'est quoi le PAX? Bon, allez, va te coucher. Bonsoir. Ce soir, un sujet très controversé, faut-il être pour ou contre le mariage entre un homme et une femme? Bien, à ma droite, je reçois le député SFR. Bonsoir. Christian Bottin. Non, excusez-moi, c'est Boutin, comme Lanouère. Bien. Et à ma gauche, il n'est pas là. Bien. Bien, alors vous êtes mère de vos enfants? Oui, une petite commune dans le Pas-de-Calais. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi aller. Bien. Alors vous, t'aimes pas les hétéros, toi? Tout à fait. Alors allez-y, développez, PD. Voyez-vous, monsieur Moquet? Moquet. Oui. Moi, je suis athée pratiquant. Je peux vous dire que j'ai été élevé chez les jeunes drag queens de France, où j'ai appris à me maquiller tout seul, moi, monsieur. Hein? Je peux vous dire que moi, j'ai été élevé à la molle. Monsieur, s'il vous plaît, et les gens m'en sont témoins, s'il vous plaît, pas de tamagoshi. Non, mais je voulais dire ça sans... De démagogie. Sans langue de bœuf. Non, parce que quand je vois l'hétéropride, monsieur, hein, avec tous ces hommes contre-nature qui restent chez eux pour faire des enfants, ça me dégoûte. Ah, excusez-moi, vous éloignez un petit peu du débat. Ah, excusez-moi. Je me suis emporté, je vous présente mes insultes. Journaliste de merde. Écoutez, ta gueule. Bien, nous sommes amis. Vous savez, comme disait Marc-Antoine... Ah, je suis désolé, monsieur, nous n'avons pas le droit de citer de Marc. Ah.
Et Antoine, vous savez, le chanteur. Mais si, le chanteur, là, celui qui chante... Ma mère m'a dit, Antoine doit te couper les cheveux. Voilà. Ah oui, je connais pas, non. Bon, bref. Il disait Canel. Je l'appelle Canel. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît. Et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle. Mais le drag queen. Je trouve que vous parlez un petit peu trop avec la bouche. Écoutez, je parle avec les moyens qu'on me donne, monsieur. Accordez-le-moi. Je vous l'accorde. Bien. Bien. Bien, nous sommes amis. Bien. Monsieur... Monsieur... Qu'est-ce que tu fous là ? Enfin... Monsieur... Mais t'es qui, toi ? Mais enfin... Bon, monsieur... Monsieur Godzilla. Oui. Ah, non, je sais. C'est Godzilla, avec un G comme le point. Le point G. Bien. La question que la minorité des gens se pose, c'est... Pourquoi ? Non, monsieur Moquet, la vraie question qu'il faut se poser n'est pas pourquoi, mais parce que... Merci, je le mérite. Merci. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, mais... S'il vous plaît, monsieur Pala, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, S'il vous plaît. Monsieur, et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle. Tiens donc. Mais l'oculiste. Et je vous le dis dans les yeux. Je crois que nous sommes filmés. Alors ayez l'air naturel. Bien. Bien, je pense qu'on pourrait peut-être conclure. Tu veux pas qu'on attende la fin de l'émission ? Tu le verras, mon slip mauve. Je l'aurai tatoué. Bien. Nous n'avons pas eu le temps de cerner tous les problèmes, mais nous avons eu au moins le mérite d'ouvrir le débat. Je dis quand même tout à fait à demain. Ça, s'il vous plaît. 7h-3, 7h-2, 7h-1, 7h! Ok, salut. Et salut. Salut. Allez, salut. Salut, mec. Salut. Salut. Ouais, ciao. Dis donc, Ursula. Ouais, hein, tu peux m'appeler Michel. Ouais, viens. Alors, moi, je regarde Capitaliste. Ouais, t'as raison, c'est ouais. Groove. Bonsoir, aujourd'hui un capitaliste spécial nouveaux emplois qui dit nouveaux emplois dit chiffres, donc 8, 22, 42, tout ça c'est des chiffres. Alors mon invité Alain Penneux, alors bonsoir Alain Penneux, vous êtes à la tête d'une grande entreprise. Alors une grande entreprise, parce que vous avez à peu près 2 millions d'employés, c'est ça hein? Tout à fait. En effet, je suis directeur général des ACEDIC. Alors, en fait, vous, vous payez vos salariés, mais il ne faut pas qu'ils travaillent. Donc, s'ils travaillent, vous les payez moins? Non, 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 attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Pas exactement. Un chômeur qui travaille, du coup, ce n'est plus un chômeur. Il est radié. Le but, c'est d'en radier un maximum pour leur bien, évidemment. Donc, synthétise en gros, mon gros, quand tu bosses, en fait, t'es viré, c'est ça? Tout à fait. C'est agréable? Ça ne m'émeut pas. Alors, j'envoie mon sujet tout de suite. Alors, c'est un sujet sur les médiateurs en banlieue, un nouveau emploi. Les médiateurs, ça correspond à 3000 chômeurs. 12 multiplié par 5 égale 74, plus la taxe d'habitation, ça fait 42. Tout de suite, un reportage de mes reporters. Bon, les gars, je crois qu'on peut tirer des conclusions de ce qu'on vient de voir. Alors, premièrement, vous ne devez pas fouiller les gens de la cité, vous n'êtes pas des fouilleurs. Ouais. Ouais. Deuxièmement, vous ne devez pas insulter les gens de la cité, vous n'êtes pas des insulteurs. Ouais, ouais. Et quatrièmement, vous ne devez pas frapper les gens de la cité, vous n'êtes pas des policiers. Ouais. Ouais. Et troisièmement... Troisièmement, je vous le répète, vous êtes des médiateurs. Ah ouais, 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 bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, je savais pas. Pourquoi je savais pas? Je savais pas. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité. Vous n'êtes pas des hommes de main, vous êtes des hommes d'aujourd'hui. Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité, quoi. Si, c'est ça. Vous êtes des... Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité des raisins secs. Oh. Vas-y, tu me souffles des conneries aussi, là. Vous êtes des... Délinquants. Bon, les gars, il y a deux talkie-walkie. Un pour moi, un pour vous. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas. Ouais, ouais. L'esprit de groupe avant tout. L'esprit de groupe. Allez, on y va, les gars. Non, mon gars, il aurait dit plus à toi. Il a dit à moi, toi qui t'oublie, il a dit. Non, il a pas de quoi, t'as déjà un tatou, toi, alors. Il est pas à moi, il est à ma soeur. Ah, bah, alors, on fait moitié-moitié, alors. Ça, les gars, là, ça. Ça, je trompe. Tranquille, ça, je trompe. Ça, je trompe.
Ah, je trouve. C'est vrai que le médiateur a un rôle prépondérant dans la cité. Hein. Et d'ailleurs, nous, dans la cité, on est passé de 35 agressions par mois à 14 par lui. 15. Sérieux, là, faut bouger, là, faut aller chercher du travail maintenant. Et le médiateur, là. Mais arrête de nous saouler, il n'y a pas de travail. Mais quoi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais il n'y a pas de travail, tu veux que je te dise, moi, tu peux en trouver du travail. Ouais, vas-y, tu veux. Tu veux que je te dise. Ouais, bah vas-y, dis-le. Tu veux que je te dise. Ouais, bah dis-le. Alors. Tellement je t'aime, à la police, tellement je t'aime. Excuse-moi, je peux savoir ce que tu fais là? Bah, je marche par terre là. Ouais, tu marches par terre. Ah, attends, est-ce que tu crois que c'est sérieux d'être dans un endroit pareil pour une fille de ton anatomie? Attends, sérieux là, lâche-moi là, parce que je sens que tu vas me prendre la tête là, je rentre du chômage fatigué. Attends, là. J'ai pas envie de te squatter la tronche, tu sais, il se passe des choses ici. Ici c'est dangereux, si parfois le soir ici il pleut. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu me donnes des leçons de conduite, là, t'as même pas ton permis là, arrête là. Attends. Y'a même pas 2 mois, t'as essayé de me rouler des pelles avec tes potes dans les escaliers. N'importe là. Quoi, j'ai jamais voulu faire ça. Arrête, sérieux là, tu me casses les ovaires là. Arrête, attends, excuse-moi, est-ce que tu t'es entendu parler? Ah, j'ai tes oreilles. Tu t'es entendu parler? What? Tu n'es absolument pas féminine. Ah. Monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Oui, ça va, oui. Dites-moi, Pichon, où sont les caméras? Juste. Bonjour, comment allez-vous? Pas féminine, ça? Non. Ah, c'est les ovaires, lui. Pourquoi t'as volé la mobylette, là? Faut pas voler, après tu seras un voleur. N'importe quoi, c'est ma mule. Attends, en plus, tu voles ta mobylette, t'as même pas le respect de toi-même. Excusez-moi, je suis le maire de la commune, bonjour. Alors, jeune homme, pourquoi est-ce que vous volez cette mobylette? Mais c'est pas moi, monsieur le père, là. C'est lui qui a fait oui. J'ai bien compris. Oui. Vous savez que vous faites le plus beau métier du monde, vous savez ça. Médiateur. Je suis pas un médiateur, moi, monsieur, c'est lui hein, qui... Oui, ça va, oui, c'est lui. Écoutez, jeune homme, je sais pourquoi vous faites ça. Vous volez parce que vous n'avez pas de travail. Mais... Et si vous... Mais non, dis donc. C'est lui, là. Écoutez, je peux vous dire que si ce jeune vole, c'est parce qu'il n'a pas de travail. Eh bien moi, je m'engage à lui trouver du travail, ainsi que vous tous. Je peux vous dire que tous ceux qui veulent un emploi auront tous un poste de médiateur. Merci. Voilà, on est tous devenus médiateurs. Alors du coup, on est tous les uns sur les autres. On glande, on se frite, on casse des vitrines. Mais il paraît que ça va s'arranger. La mairie a créé un nouveau poste. Les médiateurs de médiateurs. Et je crois qu'on va tous s'y inscrire. Non. On est en antenne, là. Mais attends, j'ai pas fini le raccord maquillage sur Emmanuel. Attends, Josette. Bah attends, bon. Elle est sympa, Josette. Bon, une petite réaction, Alan. Oui, alors, en tant que directeur général des ACIDIC, je tiens à dire que ces blousons rouges sont au demeurant très sympathiques. Bien, t'arrêtes de parler maintenant, j'envoie tout de suite mon deuxième sujet. C'est un jeune entrepreneur, il s'appelle Daniel Alexandre Busoni. Il a aussi créé un nouvel emploi, le sien, un ordinateur, une caméra, et il crée son propre site. Ah, et oui. On peut vous dire que sur Internet, ça rapporte des pépettes. Welcome sur la chaîne KF.com, la chaîne de ceux qui sont déjà au top et qui veulent aller plus loin. Tout de suite, on clique sur mon CV. Daniel Alexandre Busoni, mais dans les milieux financiers, on m'appelle Dan. Je suis sorti premier de ma promo à Alexa, école de commerce supérieure aux autres. Et j'ai créé ma start-up Bourse en direct, Conseil Management. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour, Daniel. Non, Dan. Dan. Bonjour, Dan. Alors, Bertrand, quel est ton objectif? Moi, j'ai un petit resto dans le sud de la France qui marche bien. Ouais, combien de cafés par an? On fait déjà 600 cafés par jour. Hein. Non, il est pas formaté, j'adore. Non, je veux dire, combien de bénéfices? Là, on vient d'atteindre 3 millions de francs et j'aimerais bien investir. Ok, je translate. Bertrand va investir dans le web en créant une start-up, en rémunérer ses associés avec des stock options. Objectif, être coté en bourse parmi les valeurs du Nasdaq. C'est ça, Bertrand? Ouais. Me faire plein de thunes, quoi. Hein. Ok, allez, file ta carte bleue. Allez, mais vite, on n'a pas le time, hein, Bertrand. Hein? Même pas une gold. Ok, alors regarde. Je place tes 3 millions. Allez, je crée une web agency, un appel d'offres avec ta start-up. Hop, une petite transaction très light. Hein. Très, très light. Hop, regarde. Pss, je t'ai gagné 2 millions, là. Oh, putain! Ouais, là, je crois qu'on a favorisé l'upside, le bon côté des affaires. Oh, putain! Mais tu vois, Internet, c'est easy, ça se fait tout seul, t'as qu'à regarder les chiffres. Hein. Oh, putain! Ouais, c'est magique, ouais. Putain, on voit la tour Eiffel, dis! Il est pas formaté, je l'adore. Bon alors, le next step, la prochaine étape si tu veux, c'est de trouver un nom à ton site web. Moi, mon nom, c'est Bertrand Chabroux. Ah non, ça le fait pas là, il y a un bug là. Non. Bertrand Chabroux, ça le fait pas du tout. Attends, Bertrand, c'est naze, tu vas t'appeler Stan.
Si, Stan, c'est bien. Et alors, Chavrouche à 4. Skin. Skin 4. Skin 4 ? Ouais. Skin 4 ? Ouais, Skin 4, ouais, c'est bien. Ça fait pas un peu barre au chocolaté ? Non, c'est dans le move. Skin4.com, ça le fait grave. Attends, tu me fais confiance ou quoi là ? Skin 4. Skin 4 ? Skin 4. Attends. Eh. Ah ouais. Bon, Skin 4. Allez, hop, skin4.com. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Le temps qu'on vous discutait là, en 2 minutes, ton site a été rendu 2 fois, t'as gagné 10 millions là. J'arrête. Mais non, c'est pas web, t'es un winner ou quoi là ? Ouais, mais... Tiens, regarde, je te donne un truc. Maintenant que t'es le boss. Quand on t'appelle, toujours faire croire que t'es occupé. Regarde. Ouais, Sophie ? Ouais, bah tu prends les stock options. Bon, écoute, tu dis à Fred de m'envoyer un email, ok ? Oui, allô ? Ouais, je te rappelle. Tu vois le truc ? Ouais, le truc ? Ok. Oh, ouais. Ok, vas-y, toi. Tu parles avant. Ouais. Comme je te dis, vas-y. Allez, let's groove. Non, je vais vas-y. Okay. Quoi ? Y'a plus de papier ? Va chercher un rouleau ! Email ! Oui ! Oui, je te rappelle ! Tu le fais exprès ou quoi ? Ouh la perte, regarde, t'as gagné 70 millions là. J'arrête. Non, c'est pas web, t'es un winner ou quoi ? Merde. Allez, on vend tout. Bah, et mon restaurant ? Bah attends, ça fait longtemps que tu l'as plus ton restaurant, regarde. Là, tu vends des bombes en Irak là. En Irak ? Ah non, ça a changé là, maintenant t'es propriétaire à 45% du McDo de Lille. De McDo ? Mais j'y connais rien moi. Attends. Arrête. Mais ça a aucune importance. Ah bah là, de toute façon, regarde, là t'as plus rien. Ouais, là t'as plus rien. Là t'es out of order like un ascenseur. Putain, c'est fort, hein ? Hein ? Ouais. Ça c'est fort. Hein. Ouais, alors ça. Ça c'est. Hein ? C'est un truc comme ça, ça m'arrive ruiné. Je me suicide. Mais je te tue avant, lui. Il est pas formaté, je l'adore. Elle a maintenu une petite réaction sur le site .com de Dan. Autant je trouve que votre histoire de tout à l'heure avec les médiateurs était tout à fait louable, autant cette histoire avec ce jeune freluquet, excusez-moi, son histoire n'est pas très blanc-bleu. Ouais, t'es gentil, c'est un copain à moi d'HEC, donc... Ok, très bien. Tu veux te prendre un sourcil dans la gueule, c'est ça que tu veux ? Bon, voilà, et je crois que, et je pense que tout le monde sera d'accord, l'important c'est de se gaver pas mal, et ça c'est capital. Salut les jeunes. Et tout de suite on retrouve notre envoyé spécial dédicace, Nadia, tu me reçois Nadia ? Voilà, c'est la tournée là, je suis dans le 7-4 là, j'ai mis 5 heures avec le RER du coin là, le TGV là. Et je te promets ici, il y a trop de verdure là, c'est le parc de la Courneuve vers son XXL. Et là je suis avec un type là, il fait délirer, je te jure qu'il est délirer. Quand tu lui demandes ce qu'il fait, il se casse tout seul. Vas-y, suis-moi que je suis fait. Et monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben bien. Délirer. Et c'est que sinon qu'est-ce que tu fais ? Ben des gueux, de l'élevage. Ah là là, j'avais pas vu là, ils sont balèzes tes pitbulls. Mais de gueule, pas des pitbulls, des vaches. Ah si, je le savais, c'est juste pour faire la blague ça, Turmin. Sérieux, je me suis trop documenté sur ce mec-là. Tu sais quoi ce mec-là ? Ce mec-là, c'est un des seuls à cultiver le lait à la main, sérieux. Regarde-moi la noirode là-haut. La noirode, c'est une routière, elle me fait du sale concern. Et c'est pas du chabouin. Ah là 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 là, on va se la refaire juste pour la blague. Et sérieux, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, paysan. Et c'est quoi la race de tes vaches là ? Ben des vaches. Ah c'est chelou. Mais des vaches, pas des loups. Vas-y, qui s'y fait lui, mais il manque chez lui. Ben... Vas-y, comme ta joie là, c'est pas ta vache toi là. Vas-y, t'es relou toi. De Dieu le caractère. Ouais, Jaline. Ouais, rends-moi les deux blanches. Ouais, les trois marrons. Ils sont pas civilisés s'ils ont même pas le téléphone, sérieux. Putain, il manque chez lui, je vais déchirer sa face, sérieux. De Dieu, allô ? Ouais. Oui. Alors, quel temps vous avez à Paris ? Vas-y, ça te dérange pas qu'on soit avec ta présence là ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, relou ? Vas-y, coupe, sinon il va déchirer le paysan, je te jure. Ou le paysan, il va la déchirer, mais bon, faut pas d'embrouille. Tranquille. Envoie des sons pendant que je parle, toi, bouffon. Orson, venez passer à Woody Allen. Oh, formidable, lequel ? Eh ben, Woody Allen qui parle de lui, de son mal-être, des psys, de la névrose. Oui, enfin, un Woody Allen, quoi. Voilà. Excuse-moi, on s'est pas déjà rencontré quelque part ? Peut-être à la bibliothèque ou à l'université, parce que je donne des cours sur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est le philosophe, hein, pas le gâteau allemand. Tu vois, c'est important de se parler, parce qu'après, on communique pas, on s'angoisse, on s'ouvre pas, alors que l'univers est en pleine expansion. Sinon, t'as un copain ? Le jazz est une musique de névrosé. Moi, hey, cousine, t'es bonne avec tes lunettes, là, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, cousin ? Tu veux te la wesh avec moi ? T'as un blème pro ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon ex-femme était névrosée, alors je l'ai emmenée voir mon psy, le professeur Rosenberg, et là, elle jouit, oui, mais avec lui. Qu'est-ce que t'as dit, là ?
que tu m'as dit là? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, en fait, je crois que tu es un petit peu agressif. C'est parce que tu n'as pas résolu ton complexe d'Oedipe. Alors c'est complètement absurde. Alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Elle avait un chien, un berger allemand, tu vois, à moitié nazi. Et à chaque fois qu'on était au préliminaire, il se frottait contre ma jambe avec son air frigide. Et alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Si tu veux, ce soir, on peut aller à la cinémathèque, il passe un vieux Bergman. Et après, on fait l'amour. Et puis, il y a ce rêve aussi que j'ai fait la nuit dernière où ma mère était une poule, une grosse poule, Godzilla poule. Et elle pondait 3 œufs, mon père, mon psy, mon rabbin, et tous les trois, ils ont « Avec David, chantons tous, Mazel Tov, hey !» Et toi, je sais pas si t'as déjà pensé à la mort, au néant, mais moi... Arrête. Tu me saoules. Je vais prendre une aspirine. Harry prend la tête. C'est vrai, je me suis pris un bide, c'est vrai. Un film à texte. Quand on voit les planètes, on se dit, elles aussi, elles sont seules et elles s'angoissent. Où il y a trop de texte. D'après Lacan, oui. On sait que l'enfant est une entité autonome qui évolue dans son milieu socio-culturel et éducatif. Oui, c'est vrai, mais je... Ah ouais, gros, oui. C'est fini là, le cum qui veut tirer sa rame et buter son rap. T'assimiles ? Bon, t'es relou. Vraiment trop de texte. Ah, il est chelou, Tim. Maintenant, place au sport, au vrai. Les joueurs sont en train de s'échauffer. L'arbitre tient le micro. Le public est sur le terrain. L'ambiance est à son paroxysme. À vous, Michel Fille. Bonsoir, bienvenue en direct à Prise de Tête, en direct de Crémouy ce soir. Crémouy et son célèbre opéra. Nous sommes dans les coulisses actuellement. Oui. Une ville chaleureuse, Crémouy avec son opéra qui a coûté une fortune quand même à la municipalité, c'est pour ça que nous sommes à Crémouy. Je m'approche tout de suite du maire, monsieur François Baudouin. Bonsoir monsieur Fiel. Merci, ils sont très contents. Écoutez, la région ainsi que le département sont très fiers d'offrir à Crémouy un opéra qui fait de cette ville un haut lieu culturel. Merci. Oui. Moi aussi je vous aime. Tout de suite, une réaction. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Garfield. Bonsoir. Bonsoir, voilà, je m'appelle Pablo Fajitas. Bonsoir, monsieur. Voilà, je suis d'origine guatémaltèque. Je tiens à dire que je tiens une petite librairie rue de la Pompe. Je connais cette rue. Je connais cette rue, c'est une petite rue dans le centre-ville, je connais. S'il vous plaît, monsieur les mecs, vous connaissez la rue, c'est pas le problème. Voilà, je tiens à dire qu'il y a, s'il vous plaît, 40% des gens qui viennent dans ma librairie pour piquer les livres. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, non. Mais il y a 60% des gens qui viennent pour cracher dans les livres. Oui, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, monsieur. Il n'y a pas de sécurité dans cette ville. Exactement, le maire, c'est du guacamole, de la merde. Monsieur le maire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les citoyens bien élevés, laisse parler les autres, monsieur, allez-y. Merci. Alors, donc, je voudrais parler de moi, de ma vie, hein. Il est où? Monsieur le maire. Je suis là. Vous savez, je viens de je m'appelle Jean-Marie, oui. Je viens de la cité de la Garonne. Mais je connais très très bien. Vous savez où c'est où ça pue. Vous connaissez bien. Non, hein, non, nous, on n'a pas de boîte aux lettres. On n'a pas de boîte aux lettres chez nous, monsieur. On a des boîtes à ordures. Monsieur, ce n'est pas le sujet. C'est une lopette. Excusez-moi, monsieur Phil. Une lopette. J'étais insulté, j'aimerais répondre. Monsieur, on va laisser retrouver le calme. Je peux vous dire, monsieur Phil, s'il vous plaît, je peux vous dire que des fonds ont été votés pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Je vous connais, vous êtes là, vous êtes un de mes détracteurs, monsieur. Vous faites partie d'une association de gauche. Ce n'est pas vrai, je fais partie de l'association de tequila. Si tu viens avec ta femme, t'as une tequila crevée. Recentrons le débat. Je peux vous dire, monsieur Pierre. Monsieur Baudouin, calmez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous garantir que dans ma commune, grâce à ma politique, personne ne se fait agresser. Et je... C'est les aléas du direct, prise de tête ce soir en direct de Crémouy. Je vois que le maire est occupé. Tout de suite, un appel. Bonsoir. Patrick, coiffeur. Posez votre question. Laissez-moi vous dire que je suis énormément choqué. Par cette violence sur le plateau? Non, je suis choqué par votre coiffure. C'est une honte.
S'il vous plaît. Je vois que les téléspectateurs aussi sont indisciplinés. Revenons tout de suite au débat. Plaît, s'il vous plaît, monsieur. Oui, oui, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, présentez-vous. Bonjour. Vous allez bien nous parler de l'opéra de Crémouille et ses problèmes? Tout à fait. Voilà, c'est ma femme. Ce n'est pas le sujet, monsieur. Ce n'est pas drôle, monsieur. C'est pareil qu'un des mecs du conseil municipal. Salon de merde. Mais si ta femme s'est barrée, c'est que t'as une lampette. C'est tout. T'as une lampette. Je crois que nous reviendrons à Crémouille. Je crois que nous reviendrons à Crémouille pour une prochaine rubrique sur la communication. Pour conclure, on va prendre un appel. Bonsoir, Michel Pollack. Bonsoir. J'adore votre émission. Des polémiques, des engueulades, un animateur qui fume la pipe. C'est très original. C'est-à-dire que nous travaillons à la télévision et comme tout le monde, nous devons donner le droit de réponse à tout le monde. Godefroy, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je voudrais être plombier ou Digimon. Bon, Godefroy, je te rappelle que t'as 18 ans. De plus qu'avant. Alors on va regarder un reportage sur les jeunes cadres. Mais moi je veux peindre un tableau. Il est très important pour moi d'arriver le premier au travail. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Bonjour Mireille, vous allez bien? Merci. Ma mère vient de mourir. Oh, moi c'est pareil. 2 heures dans les bouchons, j'ai très très mal à la tête. Ah oui, Mireille, j'ai une réunion à 5 heures, donc si on m'appelle, je suis mort. Bonjour. Non, s'il vous plaît, j'ai très mal à la tête. Votre aspirine? Non, mais vraiment, j'ai très très mal à la tête. Oui. Je peux vous voir pour ma mutation? Oui, venez me voir plus tard, c'est bon. Ah, oui. Ma mère est morte. Oh, c'est magnifique là-bas, c'est très joli. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans, c'est pour se baigner, c'est un petit peu salé. Alors moi, je fais un métier passionnant. Je suis, pour l'instant, sous-directeur des relations humaines... directeur des relations au regroupement... au regroupement des services... Mireille, je suis quoi, moi, exactement? Je travaille pour le directeur des ressources humaines. Non, je suis au regroupement... Bertrand? Oui, je suis quoi exactement? Une grosse salope! Ça fait 5 ans que j'ai fait ma demande de mutation pour Limoges. Ça fait 3 ans qu'elle a été acceptée. Il ne manque plus que la signature du sous-directeur et je serai libre. Voilà. Oui, Oui, écoutez, vous me mettez quand même dans une situation très difficile. C'est une grave décision. Bon, écoutez, je tranche une pizza au gorgonzola pour moi. Alors, mon petit nabo. Voilà, bonjour. Oui. Rimbaud. Je venais vous voir pour... Excuse-moi, on va essayer de faire très très vite parce que j'ai très mal à la tête. Oui, hein? D'accord. D'accord. Ouais, on va faire vite. Oui. Je prends un café, vous en voulez un? Non, moi je Mireille, 2 cafés, s'il vous plaît. Voilà, c'est au sujet de la mutation. Vous savez, je vous en avais parlé parce que je voudrais aller... Mireille, annulez les cafés, apportez-moi un verre d'eau. Avec 2 cafés. Bon, voilà. Pour resituer... Ouais. Sans le verre d'eau. Bon, je voulais partir à Limoges, mais j'ai plus de raison. Bien sûr. Parce que ma femme est partie et je n'ai plus de raison de rester ici. Elle est partie comme moi. Mireille, si monsieur Nabo vient me voir, je ne suis pas là parce que je... Il est déjà dans votre bureau. Très bon élément, Mireille. Moche, mais très bon élément. Ah, dites-moi... merci, Mireille. Dites-moi, il faudrait penser à acheter un cadeau pour le directeur. Je sais pas, quoi. Ma mère m'avait offert cette chaîne en cadeau. Oh, c'est très beau. Oh, c'est très très beau. C'est très très... Merci, Mireille. Vraiment, merci. Puis arrêtez de faire cette tête-là, Mireille. On a l'impression que vous êtes en deuil. Mon petit nabo, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je vous accorde votre augmentation. Voilà. Ah oui, au fait, Mireille m'a dit pour votre maman. Je suis désolé, mais mes condoléances. Allez. Transparence, sens du service, responsabilité, Entrez. Excusez-moi, monsieur le directeur, je suis un petit peu en retard. Bon, je reprends. Convivialité, rapidité, tranche de pâté Maïté. Bon, Berthier, nous vous attendions au sujet de votre rapport sur le plan de la restructuration, Berthier. Ah, je l'ai oublié, je suis... Mireille, est-ce que vous pouvez m'apporter mon plan sur... votre paquet de cigarettes, Berthier. Ah oui, excuse-moi, c'est dans ce moment, j'ai très très mal à la tête, donc je vais le chercher. Non, parce que je l'ai oublié, On est enfermés!
quartier, faut appuyer sur le poignet. Ah oui, excuse-moi, c'est parce que je... fais ça. Allez les amoureux, faut travailler là. Qu'est-ce que c'est que ça, ça... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai très 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 mal à la tête. Allez, moi faut que je me réveille. Eh oui, c'est Françoise. Il est 3h du matin et cette nuit, je reçois celui qui jongle avec le verbe, dans l'absurde, sans jamais perdre la boule. Attention, ça rime pas, Edouard Baird. Écoutez, je suis très touché par cette présentation. J'ai cette sensation admirable d'être bien présenté, et ça, c'est formidable. Alors, Edouard, vous êtes un habitué des plateaux de télévision, hein. Vous faites des entrées fracassantes, des sorties fracassantes. Et moi, je suis fracassé, alors on va bien s'entendre. Alors je sens que je vous aime déjà, je vous aime, je vous embrasse. D'ailleurs, je me jette à l'eau. Allez, c'est la jeunesse, c'est la fiesta, c'est Patrick, Sébastien, c'est tout le monde. Allez, c'est Sydney, c'est les Jeux Olympiques, c'est la fête du slip. Je vous embrasse la main, allez-y. Et pourquoi vous m'embrassez pas vraiment la main? Écoutez, franchement, pour tout vous expliquer, on est filmé, oui, c'est oui. Pour tout vous expliquer, c'est un petit peu comme griller un feu rouge, ça ne se fait pas. Dis plutôt que c'est l'odeur de la maïs qui te gêne, hein. C'est vrai que vous chantez la gitane, je ne l'avais pas vu. Écoutez, je vous remercie. Stan, on se bat le film de science-fiction. Ah ouais, c'est le film que j'ai adoré. Ouais. J'ai rien compris, mais j'ai adoré. Ouais. Un film de cinéma, là où t'achètes un ticket. Matrix. Un film culte que tout le monde a vu et que personne n'a compris. Réveille-toi, Lucien. Lucien, réveille-toi. Mais tu vas travailler, oui ? Allô ? Je suis Morphalus. Oui ? Ce que je vais te dire est capital. Oui. Il paraît que dans ton... Excuse-moi, je passais sous un pont. Ils en ont après toi, Lucien. Mais qui? Ce sont de vrais faux tueurs virtuels qui sont faux, mais qui sont quand même un petit peu vrais. Ah bon? Mais ils sont où? Tourne-toi. Lève-toi. Regarde par toi-même. Mais monte sur une chaise, débile. Oui. Alors? Ben alors, j'aime bien la musique. Où est-ce qu'on peut acheter le CD? C'est pas ça la musique? Lève-toi. D'accord. Avance le pied gauche. Okay. Pose le pied droit juste devant. Okay. Recommence. C'est bien, tu sais marcher. Cool. Maintenant, casse-toi! D'accord. Tu as deviné que j'étais Morphalus. Bonjour, le chien. Lucien, monsieur. Ta gueule. Bien, assieds-toi, mon petit canard. Écoute-moi bien, Lulu. Le monde que tu crois être réel n'existe pas. Tu es dans un monde où... c'est pas vrai. Non. Si. Non. Si. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, choisis la pilule rouge, ou tu verras le monde tel qu'il est. Sinon, choisis la pilule bleue, où tu verras le monde tel qu'il est. Sinon, j'ai des strepsils. Ah bah, je veux bien un petit strepsil alors, parce que j'ai la gorge un peu. Merci. Je vois le monde tel qu'il est! En revanche, sa connerie est bien réelle. Tu es l'élu, Lulu. Bien, passons à l'apprentissage, Bidibule. Grâce à cette disquette, tu pourras apprendre le jujitsu. À piloter un hélicoptère, ou même à faire le café. Ah ben je veux bien apprendre à faire le café alors, parce que c'est du jus de chaussette, moi, quand je le fais, je sais pas, ça...
Falus, j'ai un moment de doute, là. Je sens plus trop l'histoire, là. Dis-toi que tu n'es pas dans le réel. Tu es dans la Matrix. D'accord. Ouais. Mais il faut que tu saches que la Matrix est dans le réel. D'accord. Merde. Mais la Matrix ne fait pas partie du réel. C'est le réel qui est dans la Matrix. D'accord. Quelqu'un a un doliprane, là, parce que j'ai... Ah, tremblez, vilain. Finalement, c'est peut-être pas lui l'élu. Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on a cru en pensant y croire, mais savoir ce qu'on sait sans le savoir. Bonne soirée. Tu as sorti un film, enfin un film... Bon, mais c'est bien, c'est très bien. Hein. Et là, hop, tu sors un livre. Oui, c'est vrai. Il est à l'envers, François. Ah, pardon. Comme votre bouche, regardez, c'est une bouche. Alors, c'est vrai, un livre, qu'est-ce que c'est, Françoise? Un livre, je m'adresse aux jeunes, aux auditeurs qui nous écoutent. Un livre, c'est principalement à base de pâte à papier. Alors, qui dit papier dit arbre, t'entends pas un parasol qu'en platane. Oui, oui. Certains sont en boîte servidée, mais ça, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. Françoise, ne me touchez pas. Bébert, écoute, mon émission, elle passe à 3h du matin. Ça sert à rien de faire ton numéro. Qu'est-ce que c'est? Personne regarde à cette heure-là, hein? Tu promets que tu feras un effort? Bon, allez, assieds-toi tranquillement. Hein? D'accord, on continue. Alors, ton livre est un pamphlet contre la normalité. Hein? En fait, c'est une bombe littéraire jetée à la face des bien-pensants. Oui, alors justement, les bien-pensants, qu'est-ce que c'est? Les bien-pensants, ce sont les mal-rêvants. Ça, oh, c'est joli, ça. Oui, ça, c'est dans mon livre. C'est... D'ailleurs, s'il y a d'autres phrases aussi sympathiques que celle-là, je vais peut-être l'acheter. Il est comme ça. Scully. Oui, Mulder. Tu vois ce que je vois? Tu sens ce que je sens? Oui. Ils sont là. Oh, parmi nous? Non. Quoi? Parmi nous? Ici le président des États-Unis. Je suis actuellement caché dans une grotte. Alerte verte, alerte verte. Des extraterrestres viennent d'envahir la planète. Ceci n'est pas un canular. Méfiez-vous, ils peuvent se reproduire par simple contact tactile. Ils sont parmi nous. Ils sont peut-être déjà chez vous. Non, c'est quoi ce... C'est Jean-Pierre Boulat, laissez-moi un massage. On vient t'étoucher. On vient t'étoucher. Non ! On vient t'étoucher 3 millions tac au tac. C'est la concierge, je t'emmerde. Ils voulaient tous nous toucher. Ils pouvaient être en haut, à droite. Ils pouvaient se déguiser en n'importe quel blaireau. Tu ne mourras pas, bande de fumiers! Cette fois, j'étais certain qu'ils étaient tous à mes trousses, surtout lorsque je fus allé dans le métro. La preuve, j'étais descendu station Terminus et tout le monde m'avait suivi. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Ils ne connaissaient même pas mon nom. Mais pourquoi je dis ça? Je ne m'appelais pas, s'il vous plaît. Ah. Excusez-moi, vous auriez l'heure? Il me demandait un département. N'importe quoi. Moi! Ils étaient forts. Sur mon calepin, ils avaient imité mon écriture et m'avaient mis un rendez-vous. J'y allais. Mais t'es fou! Mais juste pour faire style que j'avais rien vu. Ah, monsieur Boulas. Celui-là, il avait appris mon nom par cœur. Alors, ah oui, toujours ces petits problèmes de lombaire. Ouais. C'est douloureux, ça, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dansé un petit peu trop le tcha-tcha-tcha? Je veux dire que c'est une mauvaise période. Simple contact tactile. Ils sont parmi nous. Non, non, y a pas chat. Des lombaires, mon hein? Les extraterrestres étaient des chats. Oui, c'est ça, des chats. Et ils voulaient me toucher pour que je devienne comme eux. Pas chat. Et le masseur, qui était-il? Mais oui. L'homme-chat. Shalom. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et lui? Lui, c'était qui, lui? C'était lui?
le gros minage. Il fallait à tout prix que je retourne chez moi sauver ma famille avant qu'elle soit contaminée par les minous. Vite, faut partir. Papa, papa, on a fait plein d'achats. Non, là ça marche pas parce que Parrot touchait son père. En plus, j'étais perché. Mais nous, on jouait pas à s'apercer. Non, pourquoi ? Oh, Maïté, on va regarder l'émission d'Artisson, on va prendre plein de potins sur les stars. Mais non, figure de poulpe, c'est sa nouvelle émission culturelle sur le câble. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à Rive Droite, Rive Gauche Caviar, l'émission de la culture avec un gros cul. Merci. Première Rive Droite, Rive Gauche, d'ailleurs, en public, je le souligne. Alors, pour en parler, ce soir, je reçois Jean-Philippe Mersant, qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs. Et Françoise Moisy qui n'est pas présentable. C'est ça, Coco, c'est ça. Ça va, Françoise? Ça va, et toi? Ouais, je l'adore. Alors, on va parler tout de suite de l'expo à Beaubourg du peintre russe Pietro Leif. Allez. Alors, vous l'avez vu? Oui. Oh. C'est bien, hein? Oh, oui. Oh là là. En plus, il a une particularité, en fait. Il peint sur son pinceau avec son tableau. Ça, c'est fort. C'est fort. Oui. Alors, Françoise, vous l'avez vu, Françoise? Oui, ouais. Alors oui, Pietro Leif est un artiste très à la mode en ce moment, mais il est beaucoup inspiré de Malevitch. Oh non, Françoise, non, s'il vous plaît, non, il y a des mots qui font tilt. Oh le bougre! Non, s'il vous plaît, non. Écoutez, les grandes lignes droites de Pietro Leif sont explicites, c'est un émule de Kandinsky, Françoise. Je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec Malevitch. Oh, écoutez, là, je descends, je dis à la première ménagère venue, Pietro Leif, elle me répond Malevitch. Attendez, vous disputez pas tout de suite. Non. Bon, on va dire qu'il s'inspire de Cantona. Merci. Alors, je l'adore, François, je l'adore. Bien. Bon, on enchaîne, on va parler maintenant de la pièce de théâtre de Sergio Brancusi. Brancusi, c'est parti. Brancusi, il fait de la mauvaise comédia dell'arte. Ah, oui, c'est la comédia du raté. Ah, oui, ça c'est très bon. Ça c'est du Bafi, Bisou Lolo. Bien. Mais Brancusi, il joue pas, il surjoue. C'est ses tirades, il les dit pas, il sort comme ça. Pitbull. Bien. En gros, faut pas y aller, quoi. Faut y aller. Mais pour lui, tasser la gueule. Oui. C'est pas lui qui serait venu avec nous militer à Noël au Kosovo, hein. Non, à Courchevel, Françoise. On était à Courchevel. Vous étiez à Courchevel. Oui, c'est pareil, il y avait de la neige. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à Courchevel? Oh, ben, on s'est baladé. On a fait des skis nautiques. C'était très bien. On a mangé une raclette, mon vieux. Chez Jean. Continue la partie. Oui. Toi, t'es à droite, toi, t'es à gauche. C'est toi l'équipe bleue, c'est toi l'équipe rouge. Oui, ok, on y va. Okay, c'est parti. Je suis. Attention. Je suis Julien. Non. Bon, alors, attendez, faut se méfier quand même, là, les criticos. Parce que Brancusi, il a quand même envoyé une demi-douzaine de critiques italiens à l'hosto. Oui, ça démontre bien ses méthodes de barbare. Oui, voilà. C'est un primate. Tout à fait. Oui. Donc, pour une fois, vous êtes d'accord, Brancusi, pas bien. Non, oui. Bien, ça tombe bien parce que Sergio Brancusi, il est là, mesdames, messieurs, Sergio Brancusi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Thierry. Alors Sergio, lui et elle, ils t'aiment pas. Oui, j'ai entendu dans les coulisses, j'ai entendu. Mais vous savez, en France comme en Italie, les critiques, c'est les mêmes. Ce sont des artistes castrés. C'est fort. Ouais. Quel trucage, Un trucage, je comprends pas là. Mais je vois pas les quatre jambes, mais je vois les deux trous du cul, Ça, c'est bon. C'est scandaleux. Il est fort. Il est très, très fort. Regardez-moi, on dirait deux brochettes, là. Ah, celle-là, elle est moins méchante, celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu peace and love, Sergio? Mais moi, Thierry, je suis comme vous. Pourquoi vous avez un gros cul? Non, je veux dire que je veux devenir gentil. J'ai le respect de l'autre. Ah, c'est bien.
Oui, ah non, c'est pas bien ça. Attendez, attendez. Il a fait 2000 bornes, il vient d'Italie. Là, il y a deux critiques qui vous descendent. Non, Tant Brancusi, vous avez fait de la boxe. Je m'attendais à un petit rive droite, rive gauche. Mais non, Thierry, Brancou. Non, c'est impossible, Thierry. C'est impossible. Vous savez très bien. Si je les frappe, la presse va se déchaîner. Les médias, tout le monde dira du mal de moi. C'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ah là, je vous rassure tout de suite. On dirait un remède. Non. Alors, je vous rassure tout de suite, Brancusi, parce que là, cette émission, c'est pas comme celle que j'ai sur France 2. Personne n'en parle. Allez, et soyez focus à la semaine prochaine. Hein. Ciao, ciao, Miguel, ciao. Oh. Où est le zapper? Je l'ai caché. Mais pourquoi tu l'as caché? Ah, parce qu'on va avoir une caméra cachée. Salut, je m'appelle Max Steiner, je suis producteur de caméras cachées. Aujourd'hui, notre piégé, c'est Jacques Villeray. Et notre complice, c'est mon ami Christian Clavier. Oui, bonjour, je sens qu'on va bien s'amuser. Le piège est fort simple. On va faire croire à Jacques Villeray qu'il a un fils caché. Le complice, c'est le garçon de café. Dès que le piégeur, Christian Clavier, criera « Garçon !», le comédien complice se jettera dans les bras du piégé, Jacques Villeray, en l'appelant papa. T'es prêt, Christian ? Écoutez, je suis prêt, j'ai une pêche d'enfer. Allez, c'est parti. Il roule. Excusez-moi, mon grand, je suis un petit peu en retard. Ah bah, un petit peu. Bah, on s'embrasse plus. Ah, bien sûr. Bien. Sur la bouche. Tes bêtises. Moi, ça a l'air d'aller, t'as l'air d'être en forme, hein. Ah ben moi, depuis Dîner de con, c'est Tom Hanks au cinéma français, Villeray. Hein. Faut qu'il dise garçon, là. Pour ah, pas tout de suite, attends, ça arrive après. Ça, t'as vu le serveur, j'ai l'impression qu'il t'a regardé un petit peu bizarrement, non? Ce que Christian ne sait pas, c'est que c'est la première caméra cachée en direct. En parlant de serveur, tu te rappelles la serveuse de Clermont-Ferrand? On s'est peloté derrière le théâtre. Non, je m'en souviens. Oui, dans le film de Poiret, tu parles. Garçon. Il est drôle, Villeray, aussi. Hein. Il est drôle, hein. Non, pendant la tournée, avec la pièce de théâtre. Oui. Ah, il est mal. Excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Hein. C'est millénaire. C'est médaille d'or, c'est classe, c'est fort, c'est très bien. Pensez à dire garçon. Oui, c'est bon. Écoutez, c'est n'importe quoi, il a pété les plombs, Villeray, là. Hein. Il balance, moi, je chie la honte, hein. Faut couper, là. On peut pas couper, Christian. C'est la première caméra cachée en direct. Christian Clavier devient le piégeur piégé, car le vrai piégeur est Max Steiner, qui lui a pas dit que c'était en direct. Jacques Villeray, lui, est toujours le piège du piégeur piégé. Ça va, vous me suivez, parce que moi, j'étais un peu mal. Il balance des trucs sur le film de Poiret. Il est drôle. Le prochain temps, voilà. C'est très bien, Oui, ça marche bien, hein. Tu voulais que ça marche encore plus fort, hein. Oui, c'est bien, les garçons. Oui, ça va, j'ai compris, oui. Ok, d'accord, ça marche. Il est fort, il est drôle. Là, ça va marcher, là. Il va faire garçon en même temps. Excuse-moi, Jacques, hein. Dis-moi, Jacques. On va peut-être commander, hein. Mais attends, qu'est-ce que tu penses des émissions de caméra cachée? Tu parles de ce Max Steiner. Tout à fait. Ah ben, il m'a téléphoné. Il parle de vous, là. Pour te piéger. Mais j'ai refusé, hein. Tu te vois piéger un camarade, toi? Non, oui, c'est un petit peu salaud, hein. Mais dis-moi, Max Steiner, entre nous, c'est un escroc, hein. Il cache tout, fils. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Putain, faut couper, là. Il balance tout, là. Mais ces caméras cachées, elles sont nulles, les caméras, on les voit. On peut pas couper, c'est en direct. Vas-y, c'est bien. Oui, dis que t'es son père, son fils. Christian Clavier est de nouveau le piégeur piégé. Et Max Steiner se retrouve le piégeur du piégé. Jacques Villeray, lui, est toujours la piège du piégeur. Ça va, tout le monde suit? Bon, ben, je vais me buter. On va commander, hein. Non! Non, vous n'avez pas appelé. Non, je te dis. Je te sens remonter là. Non, vous n'avez pas appelé. Non, c'est bon maintenant. Hein. Papa! Oh, c'est papa! Eh. Oh, puis je ne sens plus votre truc là. Ça me saoule. Mais qu'est-ce qui se passe malade, là, hein. Tiens, ben regarde. C'était une caméra cassée. C'était un comédien, lui. Moi, j'ai rien compris. Pub, envoie le générique. Ouais. Moi, je vous préviens que la vie, je vous paye pas. Et toi non plus. Quoi? Mais c'est dingue. Moi, je vais faire un procès, moi. Mais au secours, les malhonnêtes, hein. Bon, ben, garçon, moi, je vais quand même manger. Alors, lâchez-moi, vous, là, hein. Vous avez rien compris, en plus. Oh là 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 là. Oh. Ça tourne. LCI. Information. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Mondial de l'automobile, il n'y a pas eu un seul but. Angleterre, là-bas les mecs, ils parlent trop bien anglais. Ouais. Même les mecs qui ont 5 ans, hein, sérieux.
Et tout de suite, on retrouve Nadia, notre envoyée spéciale dédicace, qui est dans le 9-4. Nadia, Nadia, tu me captes, Nadia? Non, là, je suis dans le 9-4, là, au lycée technique de Créteil, parce que je te promets que là, il y a une sale histoire. Il y a le fils d'une copine à moi qui s'est fait jeter du lycée. Alors, je vais régler ça in expresso, je te promets. Et t'es moi, il y a le directeur de l'école. Vas-y, suis-moi, vas-y, suis-moi. Monsieur, viens là. Vous êtes qui? LCI, Lascarinfo, Nadia Reportage. Ah, c'est des informations. Ouais, j'adore. Oh bah tu te calmes là, sérieux, comme ta joie là, parce que pourquoi t'as acheté le petit Jérémy de Bruet là? Ça se fait pas là, l'as licencié, t'es un bâtard là! C'est encore cette histoire avec le Jérémy. Écoutez, monsieur Jérémy nous a fait l'honneur de sa présence une seule fois en 6 mois, alors. Mais alors, relativise, sérieux, il est venu une fois! Il y en a qui voient un verre d'eau vide à moitié plein, d'autres qui le voient à moitié vide! En tout cas, la seule fois où il s'est présenté en cours, il a amené son pitbull. Mais alors, il essaye de scolariser son chien. Ah bon? Il va pas rester pitbull toute sa vie, sérieux. Écoutez, en plus, son pitbull a mordu Madame Helmut, sa professeure d'allemand. Hein? Il a emporté dans sa gueule un bout de fesse. Il l'a même pas rendu. Alors, ça vous fait rire. Ah bah, tant mieux. Et alors, ça fait très mal. Vous savez comment on appelle cette pauvre femme maintenant? La cyclope des fesses, alors. Et alors, c'est une bonne vanne, ça, sérieux. Faut que tu relativises ton âme, sérieux, marrant. En plus, il a craché sur sa prof de maths. Ah, ça c'est pas bien. Alors ça c'est pas bien. Bon, alors les directeurs ne disent pas que des conneries. Ouais. Alors sur ce, bonne continuation. Au revoir, messieurs, dames. Ouais, ça se fait pas, les enfants. Bon, bah là, il m'a humilié dans sa véridicité. Donc, écoutez, je vous dis à tous, salut à la semaine prochaine. À toi, Saturnin, et à la semaine prochaine. En même temps, peut-être qu'il postillonne, je sais pas. LCI puissant, LCI. Comme quoi, la raison du plus fort, c'est que les absents ont toujours tort. Tranquille, et tout de suite enchaînement in vitro avec Soul Sam pour la météo. Ouais, Saturnin, Demain, pas bien. Demain, il fera nuit à 18h. Putain, je voulais faire du scooter solaire. C'est pas cool. Oh, ouais. Castpix. Un épigramme! Putain, faut qu'il arrête là, celui-là, Calimero, là. Ouais. Et tout de suite, on enchaîne à interview avec André Dussolier. Oui, j'ai... Qu'est-ce que t'as fait de connu, toi? Bah écoutez, j'ai joué dans le film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Le goût des huîtres. Non, pas du tout. C'était dans le film On connaît la chanson. Ah ouais, je l'ai vu, ce truc-là, c'est de la bombale. Oui, c'est du cinéma, surtout. Ouais. Alors, toi, en ce moment-là, tu joues dans une pièce de théâtre? Oui, tout à fait. Je joue le rôle de Don Juan et Fabrice Lucchini joue le rôle de Sganarelle. Ouais. Sganarelle, c'est l'ennemi des Schtroumpfs, hein? Non, pas du tout. C'est l'archétype du valet chez Molière. C'est la femme de ménage. Non, pas du tout. Comment vous expliquer avec des mots simples? Non, mais attends, sérieux, je l'ai vu, ta pièce. Ah, il y a quelque chose qui vous a choqué dans ce que j'ai fait? Ouais. Oui. À la fin, là. Oui. La statue. Oui. Quand elle parle. Ici. C'est relou. Ouais. C'est pas drôle, sérieux. Oui, je sais que c'est pas drôle, mais enfin, c'est Molière. Vous connaissez peut-être pas, c'est pour ça. Attends, Molière, je l'ai joué en 5e, sérieux. Confirmation. Il n'est pas formaté, j'adore. Voilà. Bah, allez voir ce mec-là dans sa pièce, je te promets, c'est un acteur. Non, un comédien, je préfère, si c'est possible. Ouais, oui. C'est ça. Et moi, je présente pas les informations, mais le journal. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous dis à tous, salut, à la semaine prochaine, c'était LCI. Gros bisous. Ouais. Dans ton livre, tu essaies par des moyens détournés. Vous dites détourné, ce n'est pas le bon mot. Détourné, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, mais... Qu'est-ce que c'est un détournement? Un détournement, c'est quoi un détournement? C'est un carrosse, c'est des bandits, bandits qui attaquent avec des fusils, avec une princesse qui a une grosse barbe. Tu essaies dans ton livre. Je peux plus me forcer. Je peux plus, j'arrête. Tu me saoules, hein? Écoute, tu crois que tu m'impressionnes, là, avec tes gaudrioles et tes effets de manchette, jeune freluquet? Tu vas te calmer, oui, écoute, c'est pas vrai, C'est formidable. Non. C'est formidable. Écoutez, enfin de l'énergie, enfin des cris, c'est des cris. Qu'est-ce que c'est que cette femme, finalement? C'est la toundra, c'est galop de Cosaques sur les steppes infinies, c'est le départ. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je cherche à faire une sortie un petit peu élégante. Eh ben, barre-toi. Oui. Alors, pour être original, je vais rester. Bon.
Alors, on se calme. Alors, alors, dans ton livre, il y a quand même un bon mot que j'ai retenu, à la page 78. C'est le mot fin. Ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. Allez, balance le générique, René. Alors, une émission, qu'est-ce que c'est finalement? Une émission, c'est un invité de place. Tu vas te faire, oui. Bon, allez, on va se coucher. Oh non, attends, je vais te faire voir un truc rigolo. Tu vas faire une bêtise? Oh, ben non, qu'il est bête, c'est un bêtisier. Là, ça filme, là. Allô? Oui, oui, allô? Mais rappelons à nos téléspectatrices... Oh, non, dis donc. Rappelons que la douleur... Et bienvenue à Qui veut gagner des... Je peux la refaire, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, enchaînement, El Château. Putain, j'en ai envoyé un gros, là. J'aime pas la campagne avec des baskets. Ouais, puis, pour le reportage, j'avais mis une fausse moustache. On n'y croit pas. Alors, on la refait à partir de là? On va la refaire en entier, les gars. Oh merde! Il vit dans 15 mètres carrés, celui-là, il achète un kangourou. Mais c'est n'importe... Mais mon pauvre Guitou, mon petit Guitou, un kangourou, il faut le sortir. Bonjour, Jean-Luc Delarue. Bonjour. Bonjour. Très honoré de vous recevoir dans notre modeste établissement. Ah, ah. D'accord. La même chose. On va s'expliquer d'homme à homme. Ah! Ah, oh, oui, ça fait mal. Celle-là, je ne l'ai pas vue, hein. Elle était belle pour toi. Bon, alors, chaise. Vous avez dit quoi, je vais prendre... Non, manque la pluie. Ouais. Il y a Jean-Luc de la rue dans l'hôtel. On recommence, tout de suite. Excusez-moi. Bon. Fraise. Inflation. Je l'ai. Parapluie. Voilà. Ah. Vous avez un chat dans la gorge, oui. Mais là, il a pété, là. Bon, alors, parce que là, hein, c'est... Hein, c'est n'importe quoi. Parce que là, on peut la refaire. Oh, allez, il me touche les fesses. Attends, ouais, allez. Ouais. Allez. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va pas du tout. Astéro sourcil. Elle est bonne, on peut rentrer chez nous, je pense. Y a pas de soucis.